Le Cameroun est ouvert à la coopération internationale. Il reste fidèle à toutes ses amitiés, à tous ses engagements. Mais en retour, il entend voir respecter ses options et sa souveraineté. Ainsi s'exprimait le président de la République, Paul Biya, il y a maintenant plus de 2 décennies. Des propos qui sont restés d'une implacable actualité dans le contexte actuel dans notre pays. Chers téléspectateurs, bonsoir. Dans le tumulte de l'actualité ambiante, le président Biya reste haut, sachant, comme à l'accoutumée, développer l'intelligence des situations, loin, bien loin des stratégies coup d'éclat. Il est arc-bouté sur l'essentiel qui consiste à réconcilier les cœurs de l'ensemble des fils et filles du Cameroun, attachés à conduire le pays vers les rives de l'émergence. Et dans cette mission, rien ni personne ne peut l'en détourner. Comme nous le verrons tout au long de ce magazine de reprise après quelques semaines de trêve. Pendant les 60 minutes qui vont suivre, nous allons feuilleter les bonnes pages de l'activité présidentielle au cours de ces dernières semaines, en marquant quelques arrêts majeurs, notamment pour évoquer le double scrutin du 9 février 2020 au Cameroun, le triomphe de la 37e promotion de l'école militaire interarmée et le message présidentiel du 10 février à la jeunesse camerounaise. Une jeunesse dont nous avons choisi l'un des symboles pour nous tenir compagnie tout au long de ce magazine. Son nom, Bertrand Soumbou Angoula. Il est le directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM en abrégé. Mais pour commencer, évoquons en compagnie de William Badié les faits les plus récents de l'activité présidentielle. Une grande première dans l'histoire du livre et du football au Cameroun, qu'un ouvrage soit préfacé de la plume captivante et incisive de Paul Biya, premier sportif camerounais et président de la République. Le livre d'or du football camerounais, puisqu'il s'agit de lui, est un ouvrage de 263 pages, partitionné en 15 chapitres. À la manœuvre de ce travail de mémoire, la Société de presse et d'édition du Cameroun. Le président de la République en personne et signé la préface de ce livre d'or, c'est tout dire. Mais je pense aussi que ce livre d'or est un hommage à nos lions indomptables. Véritable encyclopédie du football camerounais, l'ouvrage dont la dédicace porte la signature du ministre de la Communication René-Emmanuel Sadi est rendu public quelques jours seulement après le tirage au sort du CHAN qui se déroulera en terre camerounaise dans les toutes prochaines semaines. Ce livre vise à immortaliser cette symbolique. Le fait que pour les Camerounais, les lions indomptables ont joué un rôle majeur dans le rayonnement du Cameroun. En vente à la Sopécam, l'ouvrage publié dans les deux langues officielles du Cameroun, l'anglais et le français pour les rappeler, coûte 50 000 francs CFA pour la version luxe et 25 000 francs pour la version standard. Le livre d'or du football camerounais est un ouvrage à lire, à faire lire et à conserver dans les rayons de nos bibliothèques. Passons à présent du Hilton Hotel de Yaoundé au ministère des Relations extérieures pour évoquer l'un des faits marquant l'actualité diplomatique au Cameroun. Dans un communiqué de presse rendu public le 20 février 2020, le gouvernement de la République du Cameroun, à travers le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth, a tenu à rassurer l'opinion publique au sujet de la situation des ressortissants camerounais vivant en Chine. Ils sont 300 au total, résidant dans la province du Hubei, une province considérée comme l'épicentre du coronavirus, dont le triste bilan fait état de 2000 morts et plus de 70 438 cas d'infection confirmés. Fort heureusement, sur les 300 ressortissants camerounais présents dans cette province du Hubei, 200 sont actuellement confinés en quarantaine et sont sains et saufs. Face à la détresse de nos compatriotes liée aux conditions de vie difficiles dans les zones placées en quarantaine, le chef de l'État camerounais a pris l'importante mesure d'instruire le ministre des Finances de mettre à la disposition de l'ambassade du Cameroun à Pékin la somme de 50 millions de francs CFA pour porter assistance à nos compatriotes. Le gouvernement de la République du Cameroun continue de suivre de près l'évolution de cette épidémie, de concert avec les autorités chinoises, et ne manquera pas d'informer l'opinion nationale,
de toute autre initiative subséquente visant à apporter du réconfort à nos compatriotes. Bertrand Soubangoula, bonsoir. Bonsoir Yves Mac. Merci d'avoir accepté de venir rehausser le prestige du plateau de Présidence Actu. Trois principaux centres d'intérêt vont nous servir de fil conducteur tout au long de cet entretien que nous souhaitons à bâton rompu naturellement. Les récents messages du chef de l'État à la jeunesse, la place de l'École nationale d'administration et de magistrature dont vous avez la charge depuis le 14 décembre 2018 et une institution à laquelle le président de la République est naturellement très attaché. Et puis, la dernière actualité politique dans notre pays. Et si vous le voulez bien, on va commencer par le dernier message à la jeunesse du chef de l'État, un message dans lequel il a pratiquement tiré la sonnette d'alarme sur la montée en puissance de la consommation de l'alcool et des drogues. Je vous lance là, chatouiller l'instinct de magistrat que vous êtes au départ. Est-ce que, de votre point de vue, le dispositif répressif est suffisamment dissuasif autour de cette question? Merci également Yves Mac pour l'opportunité que vous m'offrez. Au regard de l'actualité ambiante, la question est suffisamment préoccupante. D'où l'interpellation solennelle du chef de l'État sur cette déviance-là. Nous nous sentons interpellés d'abord parce que nous avons la lourde responsabilité de former, n'est-ce pas, la jeunesse, nos élèves, en qui la nation fonde beaucoup d'espoir. Ensuite, parce qu'au plan purement personnel, je suis père de famille, d'une très grande famille d'ailleurs. En tant que magistrat, il me souvient que le code pénal, en 1967, en son article 348, réprimait déjà ces déviances-là. Il interdisait la réception des mineurs de 16 ans non accompagnés de majeurs, la vente de boissons alcoolisées à des mineurs de moins de 18 ans qui ne sont pas accompagnés d'adultes et l'incitation à l'ivresse des personnes mineures. À côté donc de ces dispositions répressives, nous avons eu notre loi 14 avril 1998 qui concernait sur l'orientation scolaire de l'éducation au Cameroun en fait. Son article 35, qui promeut, n'est-ce pas, le droit de tout enfant à la protection physique et morale. Interdiction de toute forme de violence, la vente, la distribution, la consommation du tabac, de la drogue, de l'alcool en milieu scolaire. Nous avons également d'autres décrets, les décrets des années 90. Le premier relatif à l'exploitation et débit de boissons, lequel décret interdit d'ailleurs que les bars et autres naissent aux abords des établissements scolaires. Le second décret de 90 qui crée la Commission nationale pour la protection de l'enfance en danger moral. Vous conviendrez donc avec moi que le phénomène décrit par le chef de l'État, Yves Mac, dispose d'un cadre juridique approprié pour le prévenir et le réprimer le cas échéant. Le vrai problème réside plutôt, je crois, dans l'implémentation de ce cadre-là. Bien que le cadre législatif et réglementaire prête à la répression, je voulais également faire remarquer qu'il y a un gros travail à effectuer au niveau des mentalités. C'est le sens qu'on peut donner, n'est-ce pas, à l'interpellation du chef de l'État, aux autorités morales. Lorsqu'il dit « j'en appelle aux parents, aux hommes d'église, aux enseignants », c'est une interpellation légitime, à mon avis, parce que la responsabilité incombe d'abord aux parents, à côté de ce que l'État peut faire. Et nous sommes souvent choqués de constater que lorsque les enfants vont en vacances, je pense que vous êtes vous-même plusieurs fois arrivé de vous rendre compte que certains parents sont pressés que la rentrée scolaire arrive parce qu'ils veulent se débarrasser de leurs enfants. Le contrôle parental, où est-il? Lorsque un enfant se retrouve dans son établissement avec un couteau, ce couteau sort bien d'un domicile. Il est donc important que les parents contrôlent leurs enfants. Les enseignants jouent leur rôle
Mais en amont, c'est d'abord les parents. On comprend donc qu'il y a toute une exégèse dans ce message du chef de l'État à la jeunesse, un message que d'aucuns ont tendance à verser dans le registre de l'ordinaire, de la banalité. Où étiez-vous le 10 février 2020? Dans quelles conditions avez-vous suivi ces messages du chef de l'État à la jeunesse? J'étais en famille, naturellement, à la maison. Avec vos enfants, que, j'imagine. Bien sûr, étant donné que c'est un message, pas seulement les enfants, j'ai une grande famille, étant donné que c'est un message que nous attendions toute la journée, on a tout fait de rentrer pour pouvoir le suivre en famille et pouvoir l'interpréter. Alors, est-ce que c'est un message dans son ensemble qui épouse ce que vous voyez, ce que vous vivez au quotidien? Vous êtes un citoyen de la ville de Yaoundé, il vous arrive de partir d'un point de la ville à un autre. Est-ce que ce message du chef de l'État à la jeunesse est en phase avec ce que vous vivez en termes de questionnement, en termes d'interpellation, en termes d'attente? C'est un message plein de sagesse, je dirais, comme d'ailleurs, parce que le chef de l'État a eu des mots précis et justes, des mots qui ont touché les cœurs des jeunes comme moi, qui sont conscients de l'avenir du Cameroun. Bien évidemment, le message dans sa globalité est interpellateur. Il y a eu les problèmes d'emploi qui ont été évoqués, il y a eu les aspects liés à la gouvernance locale, il y a eu l'interpellation relative à la modernisation de la culture. Il faut également booster notre industrie pour sortir, n'est-ce pas, du problème sans cesse croissant des importations qui nous empêchent de trouver notre chemin. Et puis, il y a eu ce problème de consommation de drogue dont on vient de parler tout à l'heure. Donc, l'interpellation forte également qui fait allusion au retour à la paix définitive et les problèmes liés à l'évolution de notre société, le chef de l'État l'a dit, peuvent se résoudre dans la paix, sans avoir besoin d'entrer dans un cycle de violence. Bertrand Soubangoula, s'il fallait retenir de ce message du chef de l'État qu'une phrase ou une idée, laquelle serait-elle pour vous, au regard du contexte ambiant? La paix et la justice sociale. La devise du Cameroun, c'est paix, travail, patrie. Pourquoi la paix, pourquoi la justice sociale? Parce que la paix, c'est le premier pilier de notre devise. La justice sociale, parce que il est important que nous puissions la rétablir le plus rapidement possible. Je dois d'ailleurs vous faire remarquer que dans son discours de l'année dernière, le président de la République avait fait une interpellation forte par rapport à la justice sociale. Et cette année, il est revenu en disant « Nous bâtirons ensemble la société juste et prospère que nous appelons de nos voeux ». L'année dernière, il avait fait allusion à la responsabilité que chaque génération a dans le devenir de notre pays. Il avait parlé, n'est-ce pas, des pères fondateurs qui se sont battus pour l'indépendance et l'unité. Et la seconde génération, la démocratie et le progrès. Il a interpellé les jeunes pour leur dire que la génération actuelle doit s'occuper de la modernisation de l'économie et de la justice sociale. C'est pour ça que j'insiste sur le problème de justice sociale. Et nous n'en sommes que très heureux, oui. J'insiste sur ce fait parce que le sentiment d'injustice effrite les élans de patriotisme. La justice sociale est un élément fondamental aujourd'hui. Parce que chaque fois qu'un citoyen X est victime d'une quelconque injustice, c'est la patrie qui apprend un coup de par ses mécontentements. Nous en sommes très heureux. Nous sommes très heureux que vous ayez vous-même évoqué ce sujet-là en rapport avec la paix, mais davantage la justice sociale. Vous avez la charge d'une haute institution autour de laquelle des choses et d'autres sont dites. Et ça va nous permettre, dans un deuxième grand moment d'ailleurs, d'évoquer la justice sociale appliquée à l'ENAM, qu'une certaine opinion a tendance à considérer comme une école réservée à une certaine élite, comme une école symbole
d'une certaine différenciation sociale. On va y revenir dans un moment, juste le temps de réécouter quelques extraits significatifs de l'important message du chef de l'État à la jeunesse le 10 février dernier. Parfaitement dans l'air du temps, le chef de l'État, Paul Biya, était le 10 février dernier encore face à la jeunesse dans le cadre de son traditionnel message du 10 février. Un discours rationnel, enraciné dans le contexte actuel et qui s'inscrit dans une dynamique globale de cohérence. De sa structure et de sa progression thématique, on peut y relever trois principaux mouvements. L'éveil de la conscience nationale, le raffermissement du lien historique, mais d'abord, l'accélération du processus de décentralisation dans notre pays. Le grand dialogue national a ouvert la voie à l'adoption par le Parlement du Code général des collectivités territoriales décentralisées et d'une loi qui assure l'égalité de l'usage du français et de l'anglais. Ces textes ont été promulgués par mes soins dans les meilleurs délais. Rien ne s'oppose non plus à leur application. Il s'agit en réalité d'une véritable révolution pacifique qui répond aux aspirations de nos concitoyens à une meilleure participation à la gestion des affaires locales. À quoi s'ajoute les dispositions d'un statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui tient compte de leurs particularités sociales et culturelles. Dans un environnement global marqué par une conjonction de périls, le chef de l'État camerounais invite par la suite ses jeunes compatriotes à tourner le dos aux déviances et à être des artisans de paix. Il n'y a pas si longtemps, lors d'un conseil ministériel, j'avais demandé au gouvernement d'envisager la mise en place d'un plan national de lutte contre la consommation des drogues et de l'alcool. Celle-ci avait alors atteint la cote d'alerte au sein de la jeunesse camerounaise. J'invite encore aujourd'hui le gouvernement à se mobiliser davantage pour lutter contre ce fléau. J'ai saisi également l'occasion de cette fête de la jeunesse pour une fois de plus lancer un appel à nos jeunes compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ceux qui se sont laissés enrôler dans des bandes armées et qui continuent d'entretenir un climat d'insécurité dans ces deux régions, doivent déposer les armes à l'exemple de ceux nombreux qui l'ont déjà fait et qui vivent tranquillement au sein de nos communautés. Je continue de les exhorter à sortir de la brousse et à retrouver leurs autres jeunes concitoyens qui mènent une vie normale au sein de la société. Pour finir, Paul Biya rappelle à la jeunesse camerounaise que les acquis de notre pays aujourd'hui découle de l'engagement de leurs aînés qui, il y a un peu plus d'un demi-siècle, ont pris conscience du rôle historique qu'ils étaient appelés à jouer pour transformer le Cameroun. Il y a 60 ans, j'avais alors votre âge, le Cameroun accédait à l'indépendance. Les jeunes de l'époque en avaient rêvé et elle est devenue réalité. La tâche était immense, nous en étions conscients. Il aura fallu beaucoup d'efforts, mais aussi de sang et de larmes, pour arriver où nous en sommes. Ce sont des générations de jeunes comme vous qui y ont consacré leur vie. Nous n'avons pas à avoir honte de ce qu'ils ont fait. Le 10 février dernier, Paul Biya s'est devant ces jeunes montré tout à la fois pédagogue, attentionné, rassembleur, mais surtout optimiste face à une tranche de la population
qui parfois donne l'impression d'être désorienté par certains mouvements de vagues. Venons à l'ENAM, Monsieur le Directeur Général. L'ENAM, dont la charge vous a été confiée le 14 décembre 2018 par le Président de la République, le chef de l'État, qui n'a eu de cesse d'en appeler à une plus grande implication des jeunes dans le processus décisionnel dans notre pays. Un peu plus d'un an après votre prise de fonction, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez réussi à imprimer votre marque à l'ENAM, ou alors, connaissant votre modestie, je préfère vous demander ce que vous avez entrepris pour imprimer votre marque à l'École nationale d'administration et de magistrature pour y apporter cette fraîcheur, cette touche jeune, ce directeur général. J'ai effectivement achevé une première année à la tête de l'ENAM, comme vous le savez, et j'amorce la deuxième année. Je voudrais tout d'abord profiter de la tribune que vous m'offrez pour une fois de plus encore témoigner toute ma gratitude, ma profonde gratitude au chef de l'État qui a bien voulu, n'est-ce pas, me porter à ce poste de directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature. C'est un immense privilège et un défi extraordinaire lorsqu'on sait ce qu'est cette école. Sur la question proprement dite, Yves Mac, l'ENAM est une institution dont les missions sont encadrées par le décret qui organise l'ENAM, c'est-à-dire le décret numéro 2018-240 du 9 avril 2018. Pour citer le plus récent, évidemment. Le plus récent, évidemment, pourtant, l'organisation. C'est ce décret qui encadre nos missions et qui est en fait notre boussole, parce que l'œuvre accomplie est immense. Pour une telle œuvre, la sagesse, nous allons commander, n'est-ce pas, de prendre rapidement le pouls de la situation et de l'institution et de pouvoir poursuivre ce qui mérite d'être poursuivi et bien évidemment de pouvoir apporter notre touche personnelle pour changer ce qui doit être changé. L'ENAM a pour mandat, vous le savez déjà, de former les hauts cadres de l'administration publique. Alors notre plus grand défi, c'est de nous assurer, n'est-ce pas, que la vieille outre qu'est l'ENAM, c'est toujours du vin nouveau au regard de la qualité des enseignements qui y sont dispensés. C'est l'élément le plus important. Le plus grand chantier actuellement est dans la refonte annoncée des programmes d'enseignement dans toutes les divisions. Pour y apporter, n'est-ce pas, des éléments nouveaux de réadaptation. De réadaptation par rapport au contexte ambiant de modernisation de notre administration publique. Et sous le prisme, bien évidemment, de la gouvernance responsable qui résume la vision du chef de l'État. Il est donc question pour nous de nous assurer que les cadres formés à l'ENAM soient rompus aux enjeux et outils de cette modernisation-là, tout au long de leur cursus de formation, et qu'ils puissent, n'est-ce pas, adresser les problématiques qui sont celles de notre société. La participation aux activités sportives également sont l'un des éléments qui peuvent être considérés comme nouveaux, parce que je m'y implique personnellement, le renforcement de la discipline. Vous pouvez imaginer, il m'est souvent arrivé, moi-même personnellement, de passer dans les salles de classe pour faire l'appel, pour vérifier que tous les élèves sont présents à leur poste. C'est bon à savoir. Et pour les absents, généralement, qu'est-ce que vous leur réservez comme ça ? Que le dernier conseil de discipline a fait pratiquement 5 heures de temps, M. Yves Mac. On ne lésine pas avec la discipline, surtout en ce moment. Parce que je suis footballeur, j'ai encore l'énergie pour ça, M. Yves Mac. En général, c'est plutôt un atout. Elle me permet de beaucoup travailler et elle me permet également de beaucoup apprendre dans l'humilité aux côtés des aînés. Les aînés ne jettent pas un regard condescendant sur le directeur général en se disant que ce jeune-là, il va finir par se casser la figure. Vous n'avez pas eu ce sentiment de rejet ou d'appréhension ou même d'inquiétude à votre arrivée ici, monsieur le directeur général ? Beaucoup ne me prédisaient même pas 2 semaines dans cette institution. Vous le savez bien. Je suis en train d'aller à la deuxième année et je pense que vous êtes mieux placé que moi pour apprécier les résultats. Je pense que les aînés m'accompagnent, principalement ceux à qui je suis lié directement, c'est-à-dire la tutelle technique,
le ministre de la fonction publique, le ministre des Finances, que je tiens d'ailleurs à remercier pour leur accompagnement sincère. La décentralisation, la modernisation de l'administration publique camerounaise font partie des aspirations majeures de l'opinion aujourd'hui. Est-ce que vous avez conscience de cela ici et comment est-ce que vous vous employez au quotidien à adapter les formations dispensées aux exigences de la société camerounaise d'aujourd'hui, M. le Directeur Général? Je peux dire que la théorie et la pratique de la décentralisation ont toujours été enseignées à l'ENAM. Ces enseignements de tronc commun font partie des modules qui sont consacrés aux questions administratives. Vous savez que les cadres que nous formons sont appelés à exercer, n'est-ce pas, les fonctions de coordination de l'action publique au sein des collectivités territoriales décentralisées, que sont les régions et bien évidemment les communes. C'est donc dit que l'ENAM a anticipé sur la mise en œuvre de la décentralisation, à telle enseigne que les exécutifs municipaux auront désormais des accompagnateurs ayant une expertise avérée dans l'élaboration des politiques publiques susceptibles, n'est-ce pas, d'induire l'amélioration des conditions de vie des populations, parce que c'est de ça qu'il s'agit, in fine. Alors, je ne vous apprends rien. On stigmatise très souvent les produits de l'ENAM d'être à l'origine de certains tares, de certains maux qui minent l'administration et même de façon globale la société camerounaise d'hier et d'aujourd'hui, l'inertie, la corruption. Comment vous vivez ce procès qui vous est fait, qui est fait à vos produits de l'intérieur? Vous vous dites que c'est un procès d'intention, c'est inutilement méchant, c'est l'État général. On peut reconnaître que les produits de l'ENAM sont les plus exposés, parce que c'est une école d'élite. Mais durant toute leur formation, nous faisons des cours d'éthique et d'ontologie. Ils ont toute la formation nécessaire pour être de bons produits et pour servir le pays dans l'intégrité, la probité morale, pour le sens de l'intérêt général. Mais il vous arrive quand même d'évoquer ces questions qui fâchent entre vous et vos apprenants ici à l'école? Vous savez que le premier module de formation ici, c'est la préparation militaire supérieure, qui, n'est-ce pas, prépare le jeune apprenant de l'ENAM au respect des préceptes de la République, le patriotisme, l'humilité, le sens de l'intérêt général. C'est des choses qu'on leur apprend à partir de la formation militaire, avant même qu'ils ne commencent les cours ici. Et nous ne pouvons que regretter qu'il y ait ce genre de dérives. Nous les condamnons tous les jours. Ce n'est pas des dérives que nous pouvons encourager. Mais en termes de proportion, c'est quoi? C'est des brebis, c'est quelques brebis galeuses ou alors c'est un mal profond, de votre point de vue? À mon avis, c'est quelques brebis galeuses. Comme je disais, l'ENAM est comme un miroir. C'est ce qui peut expliquer que lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'un ancien produit de l'ENAM, que l'effet soit amplifié. Il faut quand même reconnaître qu'il y a de nombreuses fiertés au sein de l'administration publique camerounaise, au sein de la haute administration, qui sont les produits de l'ENAM et qui font le bonheur, la fierté de notre pays, ici et même au-delà. Monsieur le Directeur Général, en plus d'une année passée à la tête de l'ENAM, vous avez eu largement le temps de poser votre diagnostic, d'ouvrir la réflexion, d'initier un certain nombre d'actions. Entre acquis et défis, Bertrand Soumbangoula, quels sont les chantiers prioritaires aujourd'hui qui vous tiennent à cœur, que vous menez et que vous entendez mener au sein de cette institution? Mon plus grand chantier, je l'ai dit tantôt, c'est l'audit et la réforme annoncée des programmes de formation dans toutes les divisions, le tout sous le prisme de la gouvernance publique responsable qui est, il me semble, qui résume parfaitement la vision du chef de l'État. Il est donc question pour nous de nous assurer que les cadres formés à l'ENAM soient rompus aux enjeux et aux défis de la modernisation. Tout au long de leur cursus de formation, il faut également adresser les problématiques qui sont celles de notre société.
dès leur sortie, à savoir la participation aux activités sportives, on l'a dit, le renforcement de la discipline. À côté de ces chantiers, nous avons également le fait que dans cette refonte des programmes, on doit pouvoir voir la participation des administrations nouvelles, les administrations du secteur privé et la société civile. Les dites rencontres qui peuvent, n'est-ce pas, nous permettre de poursuivre notre partenariat public-privé vers lequel nous comptons désormais d'ailleurs envoyer nos élèves en stage. C'est un partenariat important au vu, n'est-ce pas, de la situation économique du Cameroun. Il est important que les élèves s'imprègnent et sachent comment se passent les choses, par exemple, dans les entreprises privées. Il y a également un moment donné, une ouverture à l'extérieur qui a été faite pour les produits de l'ENAM. Cette ouverture également, elle va être consolidée? Bien évidemment, elle va être consolidée. Nous avons beaucoup de projets, nous avons eu beaucoup de nouvelles conventions, beaucoup de partenariats avec d'autres écoles à l'extérieur. Parce qu'il faut bien savoir que l'amélioration, lorsque nous voulons nous inscrire dans le sens de l'amélioration et de la mondialisation de notre manière de former nos élèves, il faut bien qu'on s'ouvre aux autres. Et il faut dire que généralement dans ces activités, c'est donnant-donnant, parce que c'est souvent des partages d'expériences. Bertrand Soubangoula, directeur général de l'ENA, merci d'avoir accepté de feuilleter l'activité présidentielle de ces derniers jours à notre compagnie. Et pour cela, d'ailleurs, nous allons marquer une nouvelle halte pour évoquer cette fois le triomphe de la 37e promotion de l'école militaire inter-armée qui avait pour cadre la brigade du quartier général qui était naturellement présidée par le chef de l'État, chef des forces armées. Retour en image. Jour de triomphe et jour de gloire pour la 37e promotion de l'école militaire inter-armée de Yaoundé Imia. S'ébranlant du palais de l'unité pour la cour d'honneur de la brigade du quartier général à Yaoundé, le cortège présidentiel chemine à travers les principales artères de la ville de Yaoundé. Sur le chemin, des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais enthousiastes à la vue du passage du cortège présidentiel. C'est le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, Joseph Béthia-Somo, qui accueille le chef de l'État, Paul Biya, chef des armées, avant les honneurs militaires. L'hymne national précède la revue des troupes lors des honneurs militaires de type C, rendus au chef de l'État. Puis le président de la République s'installe à la loge d'honneur. Le temps pour le commandant Lemia, colonel Oscar Onanambarga, d'ordonner aux 182 aspirants de rejoindre l'emplacement pour la remise des épaulettes. Aspirant de la promotion générale de division, Koji Jacob. À genoux! En un geste bien saccadé, les aspirants se mettent à genoux. Puis le chef de l'État remet les épaulettes au major. Méphiré Mfundu Ahmed. Le ministre de la Défense procède à la remise des épaulettes au vice-major, puis les secrétaires d'État auprès du ministère de la Défense, avant le chef d'état-major des armées. Ensuite, les officiers parrains qui rejoignent la place des cérémonies et procèdent à la remise des épaulettes. Debout se mettent alors les désormais officiers de la promotion général de division Jacob Koji, exemple dont ils doivent s'inspirer. Dans son allocution de circonstances, Paul Biya félicite les forces de défense du Cameroun. Il bénéficie du soutien total de la nation et du président de la République. Adaptez-vous au contexte ambiant marqué par le terrorisme, la cybercriminalité, les menaces asymétriques. Le rôle des forces de défense et de sécurité est certainement la protection de la nation. Mais ces forces de défense doivent également s'opposer aux menaces à l'unité nationale. Une double mission à exécuter avec courage, détermination dans le respect des droits de l'homme en faisant corps avec la devise de l'armée camerounaise « Honneur et fidélité » martèle le chef de l'État. Le défilé militaire que le président suit debout met en exergue une armée manifestement moulée à la bonne école,
disciplinée, loyale et républicaine. Paul Biya félicite alors le commandant des troupes, le colonel Oscar Onanambarga, commandant de l'EMIA. Le chef de l'État va ensuite passer à travers une haie d'honneur formée par les jeunes officiers de la promotion générale de division Jacob Kodji. Munis de leurs sabres, ils forment une voûte à l'entrée de la salle du vin d'honneur. À l'intérieur de ce mess, le président Paul Biya, très détendu et en symbiose avec les forces vives nationales. Dans ces moments de communion, Paul Biya serre la main à ses convives dans un lien symbolique et réaffirmé entre l'armée et la nation. Après le vin d'honneur, le chef des armées se prête au rituel de la photo de famille avec les promus. Privilège unique pour les jeunes officiers, la 37e promotion de l'EMIA. Avant de quitter la cour d'honneur de la brigade du quartier général, le chef de l'État félicite le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. Parfaite organisation d'une cérémonie réglée comme sur du papier à musique. Le chef de l'État rejoint ensuite le palais de l'unité. Je souhaiterais, en votre compagnie, monsieur l'État général, évoquer un dernier aspect de notre échange, à savoir le volet politique. Vous avez été très impliqué dans le processus électoral en rapport avec le double scrutin du 9 février dernier pour le compte des élections municipales et législatives. Vous avez d'ailleurs été désigné comme président de la commission communale pour la circonscription de Lembe Yezoum. Je souhaiterais, je suis impatient de recueillir votre avis sur le déroulement de ces opérations-là, de cette campagne et de ce processus qui a conduit ou qui est sur le point de conduire à l'élection de nouveaux exécutifs communaux dans cette circonscription-là. Avant de revenir sur cet aspect hautement important, je voudrais que vous m'accordiez une minute afin de faire allusion quand même au plan de modernisation de l'ENAM. C'est tout accordé, M. le Directeur Général. On comprend que, évidemment, l'ENAM, c'est ce que vous avez de plus précieux, de plus cher. On est impatient de vous écouter sur le sujet. Merci. Je voulais dire que nous sommes engagés sur le chantier de la digitalisation de l'institution. Déjà, on a commencé par le rajeunissement des effectifs, comme je l'ai souligné plus haut. Nous comptons tirer le meilleur parti de cette jeunesse en mettant en œuvre des services numériques pour simplifier le travail au sein de l'institution. Un accent sera donc mis dans l'enseignement, notamment l'enseignement des TIC, afin de permettre à nos produits de continuer aisément dans le processus de digitalisation de l'administration publique. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de remercier encore une fois de plus le chef de l'État pour la dotation d'ordinateurs. Vous en avez reçu ici? Effectivement, à tous nos élèves. Pratiquement trois promotions distinctes à tous nos élèves, avec le concours, bien évidemment, du ministère. Qui les ont conservés jusqu'à ce jour? Qui les ont conservés? Qui les utilisent au quotidien? Effectivement. Qui les utilisent au quotidien. Nous voulons dire un grand merci au chef de l'État pour cette dotation-là, qui permet, n'est-ce pas, à tous les élèves de s'arrimer aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Maintenant, pour revenir à la dimension politique, de Bertrand Soumbou Angoula. Je disais tantôt que vous étiez, pour le compte du double scrutin du 9 février dernier, président de la commission communale des opérations pour la circonscription politique de Lembe Yezoum. Et pas seulement, parce que par la suite, vous avez été désigné comme mandataire du comité central pour conduire les opérations d'investiture, cette fois-là, dans la localité de Koteng, dans la Haute-Sanaga. Quel regard jetez-vous de façon globale sur le processus qui a conduit donc, qui a entouré ce double scrutin et qui devrait marquer une accélération du processus de décentralisation dans notre pays? J'ai effectivement été désigné comme président de la commission communale pour conduire la délégation pour les élections à Lembe Yezoum, une expérience de plus très enrichissante et qui, n'est-ce pas, nous a permis de retenir que le RDPC, mon parti, est une grosse machine qui se prépare toujours mûrement pour les élections. Nonobstant quelques difficultés sur le terrain, nous avons communié avec les populations qui, de façon légitime, ont posé des doléances, n'est-ce pas, dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est le lieu pour moi de les remercier également d'avoir accordé leur suffrage
à mon parti, le RDPC. Les résultats sont parlants. Nous sommes à pratiquement 316 communes sur les 360 pour le RDPC. Je voulais quand même dire que la plus grande tristesse, c'est le meurtre de nos deux compatriotes le jour du scrutin dans le Noun. Oui. Ça a été très, très choquant. Très, très choquant. Alors, ce double scrutin a par ailleurs consacré la montée en puissance de la jeunesse, une véritable cure de jouvence qui est en train de s'opérer. Vous devriez vous sentir plus à l'aise que les jeunes fassent une telle entrée en puissance sur le terrain politique. Il s'agit là encore d'une interpellation du chef de l'État dans la nécessité de préparer la relève, qui avait lancé un appel aux jeunes, vous vous souvenez, dans son discours du 10 février 2019, pour prendre un peu plus d'engagement dans les activités politiques. Alors, le chef de l'État s'est donc félicité, il avait encouragé les jeunes à la présidentielle du 7 octobre. Et il me semble d'ailleurs que c'est un jeune de moins de 40 ans qui était troisième à l'issue du scrutin concernant les présidentielles de 2018. Le chef de l'État l'a encore réitéré récemment. Les jeunes d'aujourd'hui auront la chance, n'est-ce pas, de pouvoir bénéficier des avantages liés à la gouvernance locale, de pouvoir s'en imprégner et de pouvoir donner leur contribution à l'émergence du pays à travers, n'est-ce pas, la décentralisation, parce que c'est eux les premiers acteurs. Alors, nous allons, en compagnie de Jean-Pierre Ndjana, essayer de dessiner la nouvelle carte politique telle qu'elle se dessine au sortir de ce double scrutin, qui d'ailleurs n'a pas dit son dernier mot, en attendant le contentieux pour les législatives qui est en train d'être vidé, mais déjà sur la base des résultats et des tendances obtenues pour le compte des municipales. Nous allons voir à quoi ressemble la carte, les grandes tendances de la carte politique dans notre pays ces derniers temps. Et puis nous allons retrouver M. Détail Gérald pour son mot de fin. Quelques leaders politiques manifestement mal inspirés avaient fait du boycott du double scrutin du 9 février 2020 leur programme politique. L'hypothèque sécuritaire était là, mais les municipales et les législatives ont bel et bien eu lieu sur l'ensemble du territoire et en toute sécurité, ce qui constitue déjà une première victoire sur ce qu'on pourrait appeler le camer pessimisme. Mais au fait, à quoi et précisément à qui doit-on cette victoire? À une convergence entre la volonté du chef de l'État, qui tient à tout prix à faire de la démocratie un exercice inclusif, libre et transparent au Cameroun, auquel justement les populations adhèrent comme principe incontournable du choix de gouvernant. Sous réserve de ce à quoi pourra aboutir le contentieux post-électoral, le RDPC, le parti présidentiel, se taille la part du lion à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux. Mais au-delà de ces majorités confortables qu'il fallait garantir au chef de l'État pour la mise en œuvre de ses engagements, il est question de rentrer dans l'histoire comme premier acteur majeur de l'opérationnalisation de la décentralisation. Aujourd'hui, il y a un enjeu majeur qui va faire de l'élu local le pivot du développement local. Avec tout ce que nous avons comme perspective attendue, en l'occurrence, la garantie de la libre administration, voire de l'autonomie fonctionnelle des communes, auxquelles vont s'ajouter également le transfert des ressources humaines et financières. Ces aspects sont extrêmement importants et vont structurer une ère nouvelle au sein des communes, au sein des exécutifs municipaux, qui fait en sorte que chaque parti aimerait être à l'avant-garde de l'opérationnalisation de cette perspective, pour être donc le pionnier dans le développement local à partir de cette disposition d'esprit qui est née de ces textes-là. Dans ce grand chantier d'enracinement de la démocratie et de modernisation de l'État, le RDPC ne sera pas seul. Ce ne saurait d'ailleurs être son souhait, vu l'immensité de la tâche.
C'est ainsi qu'en plus de ses vieux compagnons de route, que sont l'UNDP, le SDF, l'UDC, le MDR et dans une certaine mesure l'UMS, de nouvelles forces sont apparues. Il s'agit du PCRN de Cabral Libi, du MPCN de Paul-Éric Kingé, du MCNC d'Afanwin Difor et incontestablement du FSNC d'Issa Tchirouma Bakary. Désormais, le FSNC joue dans la cour des grands. On est un parti politique respectable parce qu'on est présent au Parlement. Par la volonté de notre partenaire, le président de la République, nous avons un sénateur au Sénat. Et aujourd'hui, par la volonté des différentes circonscriptions électorales, nous sommes présents dans des communes et à l'Assemblée nationale. Cette victoire n'est pas une victoire ex nihilo. Nous récoltons ce que nous avons semé. Je voudrais vous dire, et en cela j'exprime gratitude et reconnaissance à notre patron partenaire, le président de la République, qui nous a aidés. Entre la Benoué et le Mayolouti, Garoua et Guider, le FSNC a réalisé plus de 60 forages. Plus de 60 forages. Le FSNC a mis à la disposition de nos populations dans les deux départements 12 ambulances. Et le FSNC a également mis à la disposition des populations énormément de tables bancs. Le FSNC a contribué à l'encadrement, le FSNC a contribué au recrutement. Ce qui fait qu'en vérité, je peux prétendre, et je voudrais que le contraire soit relevé par mes adversaires, aucun parti politique n'a fait ce que le FSNC a fait. Donc c'est tout à fait normal que nous engrangions ce que nous le faisons. Mais je dis, nous l'avons fait parce que nous avons donc le soutien de notre partenaire naturellement. C'est un message de vitalité de notre démocratie. Parce qu'il n'y a pas une démocratie élective sans concurrence. Si tant est que l'une des caractéristiques des démocraties contemporaines, notamment des démocraties représentatives, c'est d'avoir un pluralisme politique. Et donc, le pluralisme politique exprime la vitalité de la démocratie. Et quand on voit ces forces émergentes, qui pour la plupart n'existaient pas il y a 20 ans, n'existaient pas il y a 15 ans, sont des forces nouvellement créées, il y a quand même quelque chose à se féliciter. Et c'est une socialisation à la chose politique, c'est une socialisation à la démocratie. Premier à se féliciter de ces grandes enjambées, le premier des Camerounais. Un sentiment de joie, de satisfaction. La démocratie marche au Cameroun, elle avance à grands pas. J'en félicite les Camerounais. Paul Biya avait dit en substance que 2020 serait une année charnière dans l'histoire du Cameroun. Que ceux qui voient autre chose lèvent les mains. Excellence, Monsieur le Président, après avoir accompli votre devoir civique, quel est le sentiment général qui vous anime en ce moment? D'abord, un sentiment de joie, de satisfaction. J'ai accompli mon devoir de citoyen et j'en suis heureux. Et je saisis cette occasion pour demander à tous mes compatriotes de faire leur devoir en allant au vote, contrairement aux appels au boycott de certains petits partis politiques. En tout cas, la démocratie marche au Cameroun, elle avance à grands pas. J'en félicite les Camerounais. Dites-nous quelle importance vous accordez à cette élection qui se tient après le grand dialogue national, après le statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et qui va également donner un processus particulier à la décentralisation. Mais ce que je disais, c'est que la démocratie fait des pas de géant au Cameroun. Il y a eu le grand dialogue, il y a les lois sur la décentralisation, le statut spécial, la loi sur le bilinguisme. Et bientôt, nous aurons aussi, quand les élections municipales auront pris fin, on aura des conseillers régionaux. C'est le grand pas vers une démocratie plus développée. Je n'en suis que satisfait et je remercie les Camerounais d'apporter leur dynamisme, leur concours à la marche de cette grande démocratie. Merci, excellent. Merci. Merci, Monsieur le Président. Au revoir, monsieur. Bonne journée de vote. Merci. Bertrand Soubangoula,
Je souhaiterais à nouveau, au moment de nous séparer, recueillir votre sentiment. Le président de la République, aujourd'hui, à travers ses discours, se tient sur le pont. Le dialogue intergénérationnel est en marche. Les conditions sont créées. Des formidables opportunités d'épanouissement sont offertes aux jeunes. Vous en êtes une illustration, un symbole. Quel discours vous pouvez tenir aux jeunes aujourd'hui pour croire à leur chance, pour croire qu'il y a de la place pour eux dans la société camerounaise d'aujourd'hui, qu'il y a de la place pour eux à l'École nationale d'administration et de magistrature? Je voudrais leur dire de ne pas se décourager, d'avoir confiance au gouvernement de la République. J'ai parlé tout à l'heure de la justice sociale. Parce que j'ai la lourde responsabilité d'une phase de recrutement des futurs jeunes fonctionnaires de la République. Et mon apport personnel, malgré les difficultés, et en là, je ne peux pas le nier, c'est la transparence, l'équité dans les recrutements. Parce que chaque fils et chaque fille de cette République a les mêmes droits. Et nous avons intérêt à promouvoir l'égalité, la justice sociale. La République est un bien commun. Dans cette école, j'ai des fils d'agriculteurs, des fils de mototaximan, comme bien évidemment je peux avoir des fils de mes collègues. Il s'agit donc de la transparence. Et qu'ils sachent que chaque fois qu'ils travailleront et qu'ils mériteront, ils entreront dans cette école. Ceci me rappelle d'ailleurs, en parlant de la République, une citation de Platon, qui disait qu'en fondant la cité, nous n'avions pas en vue de rendre une seule classe éminemment heureuse, mais autant que possible, la cité tout entière. Tous les Camerounais méritent d'être traités au même pied d'égalité. Et je peux leur assurer que c'est mon travail de tous les jours. Bertrand Soumbou Angoula, directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature, merci d'avoir accepté d'échanger en toute décontraction avec nous dans le cadre de cette édition de Présidence Actue. Bon vent à la tête de l'ENAM. Merci. Votre magazine est à présent terminé. Merci de l'avoir regardé. Retrouvons-nous dans deux semaines. Bonsoir.